dans cette alternative. Louez l'Éternel car il est bon. Israël dise que la maison d'Aaron dise que ceux qui craignent l'Éternel disent du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Elle m'environnait, m'enveloppait au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Elle m'environnait comme des abeilles. Je me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent de la tente des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec les liens. Amenez jusqu'au corne de l'autel ensemble. Louez l'Éternel, car il est bon, car il s'en tient encore à toujours. Encore le verset 29. Louez l'Éternel, car il est bon, car il s'en tient encore à toujours. Parole de l'Éternel. Louez l'Éternel, car il est bon. Louer l'Éternel car il est bon. Est-ce que vous permettez de louer l'Éternel matin? Balancez-le. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Et pas de temps bon encore. Nous avons assurance que nous servons mon Dieu qui est vivant. Amen. Est-ce que vous sentez vivant dans la vie? Il y a une façon de sentir mon Dieu à travailler dans la vie, vous sentez son bon Dieu qui est vivant. Il y a une façon où elle prend des forces, où elle est son bon Dieu qui est vivant. Il y a une façon où elle a marché avec, vous sentez vivant dans la vie. Est-ce que mon Dieu est vivant dans la vie? Balancez-moi, amen, il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent à la paix est tombé sur lui, mais c'est par se mettre sûr que nous sommes guéris. Est-ce que vous guérissez maintenant? À cause de ça, ça qui t'est coulé à nous guérir. Amen. Demain.
Harbour qui t'a appelé à l'été parmi dans le cœur du diable. Il est ressuscité. C'était pour avouer d'avoir bouleversé le royaume du diable. Et c'est il est ressuscité, ça qui réduit nos matières là. Sous contre ça, c'est grâce à il est ressuscité ça. Il faut là, matière. Nous comptons avec tout le monde, nous avons souhaité l'autre joyeuse Pâques. Nous sommes capables de parler avec nous, nous avons là. Dire la joyeuse Pâques dans le Seigneur. La joyeuse Pâques. Nous avons souhaité la joyeuse Pâques à tout le pasteur, nous avons. À tout le diable, diaconesse, nous avons. Tout le ouvrier, l'église là. Tout le monde de l'église là, nous avons souhaité la joyeuse Pâques à tout visiteur. Qui la matière, joyeuse Pâques. Tout le monde capteur de nous au Cap-Haïtien, service d'arrêt international, je dis à la radio Tabernacle, qui permet à ce que les chrétiens au Capio adorent le Seigneur avec nous. Bravo pour le bon Dieu, au Capio. Le petit capteur de nous au Cap-Haïtien via la radio Tabernacle. C'est la journée que l'Éternel a. C'est mon Dieu de lui faire journée, sa vie de joie. Dans le cœur de nous, matériel a pu commémorer la résurrection de Christ. Ce n'est pas une date pour aujourd'hui, hein? C'est pas 21 avril, Christ est ressuscité. Et tout chrétien évangélique a commémoré la résurrection de Christ. Malheureusement, le rive dans Noël, il y a un capel tout, bon, ce n'est pas 25 décembre, ce n'est pas pareil comme ça, alors que ce n'est pas 21 avril que Christ est ressuscité. Hein? C'est fixé, on est fixé. Et bon, baguette pour t'expliquer donc comment ils prennent la Pâque. Est-ce que Pâque chaque année fait la même date? Non. Non, ok, c'est une sorte de convention, c'est en 325 que l'Église est décidée pour être capable de commémorer la résurrection de Christ. Nous comptons tout le monde matériel, surtout le monde qui est venu pour la première fois.